Pour le futur campus international de Cergy-Pontoise, tout s'accélère. Tout juste lauréat d'un appel à projet qui lui assure un financement de 80 millions d'euros sur 10 ans, le projet était présenté aux différents acteurs du territoire. Le campus international Paris-Seine prévoit d'accueillir 10 000 étudiants de plus d'ici 10 ans. Il comptera alors 40 000 étudiants et 1500 enseignants et chercheurs. C'est donc un développement très fort qui qualifie la capitale du Val d'Oise, mais aussi qui est extrêmement important pour l'attractivité de tout le département du Val d'Oise. Notre patrimoine humain d'étudiants, de chercheurs va croître encore beaucoup. Il va se rapprocher encore plus, bien que ce soit déjà très marqué, du monde de l'entreprise pour créer un écosystème de l'innovation qui nous permette donc de nous projeter dans l'avenir de façon extrêmement dynamique. Résolument moderne, le futur campus s'articulerait autour des 11 établissements d'enseignement supérieur qui font partie de la commune parisienne sur un périmètre de 2 km². Il sera ouvert, il sera dans la ville et dans la nature. Si on doit le résumer en deux mots, c'est une partie hub, très urbaine, avec beaucoup de vie, beaucoup d'activités, beaucoup d'aménités, et puis une partie berge, naturelle, des bois, des grands lacs, un port peut-être de demain, des berges. Et donc c'est cette connexion entre la partie naturelle et la partie urbaine dans un tout petit périmètre de 2 km², ce qui est très petit en réalité, qui va faire de ce campus un lieu qui n'existe pas. Ailleurs. Le futur campus international Paris-Seine est ambitieux. Objectif, intégrer le top 100 des universités mondiales.